Depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février, 6 cas liés à Ebola ont été enregistrés, dont 4 décès. 2 malades sont soignés au centre de traitement d'Ebola, a déclaré le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu à l'Est. Certaines familles refusent catégoriquement que leurs habitations soient désinfectées, tout comme des enterrements dignes et sécurisés, a regretté l'autorité, ajoutant que les gens n'ont pas encore compris que Ebola vient à nouveau de réapparaître. Comme par le passé, la population de cette région refuse de croire à l'existence de la maladie d'Ebola et s'oppose aux changements imposés pour éviter la contamination, comme notamment éviter de toucher les malades ou ne pas laver les cadavres des malades d'Ebola. La 10e épidémie, déclarée le 1er août 2018 dans cette région, n'a été éradiquée que le 25 juin 2020 à cause de l'insécurité causée par les activités des groupes armés et la résistance des populations aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la maladie. Avec plus de 2200 morts enregistrées, elle est considérée comme la plus grave de l'histoire d'Ebola en RDC depuis son apparition en 1976. Le 18 novembre 2020, la RDC avait annoncé la fin officielle de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur Nord-Ouest, qui a causé la mort de 55 personnes sur 130 cas recensés. Le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignement, diarrhée. Salé Kebzabo et Laouké Médar ont obtenu respectivement 12% et 10% des voix lors de la présidentielle de 2016. Ces scores devraient leur donner droit au remboursement de leurs dépenses de campagne, comme l'explique Laouké Médar. Pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursables est de 1 milliard de francs CFA si le candidat obtient un score d'au moins 10%. Le remboursement concerne 30% des montants dûment justifiés en recettes et en dépenses et après quitus de la Cour des comptes. Mais depuis, alors que le parti au pouvoir s'est fait rembourser, les deux partis d'opposition réclament en vain leur dû et menacent de se retirer de la présidentielle de cette année. Nos formations politiques prennent à témoin l'opinion nationale et internationale que si cette disposition de la loi n'est pas respectée dans un délai de 3 jours francs, elles seront contraintes de se retirer du processus de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Une dizaine de personnalités se sont annoncées candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain face à Idriss Déby Itno, qui est candidat à un 6e mandat. L'avion qui s'est écrasé au Nigeria devait mener une mission de surveillance au-dessus de l'État du Niger et ses environs dans le cadre des efforts pour obtenir la libération des élèves et du personnel kidnappés dans un pensionnat. Les 7 personnes à bord sont malheureusement toutes mortes dans l'accident selon Ibikunle Daramola, porte-parole de l'armée de l'air. La cause du crash n'était pas connue à ce stade, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, a indiqué l'armée de l'air. Pour rappel, des hommes armés avaient attaqué dans la nuit de mardi à mercredi un pensionnat public d'enseignement secondaire à Kagara, dans l'État nigérian du Niger, tuant un élève et emmenant avec eux 42 personnes, dont 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel, selon les autorités de l'État. Quelques heures après l'attaque, le président nigérian Muhammadu Buhari avait ordonné aux forces de sécurité de ramener immédiatement tous les captifs indemnes et l'armée et la police ont indiqué qu'elles traquaient les ravisseurs. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM. Et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder. Nous sommes d'autant plus peinés qu'il y a à peine une semaine, il était ici, dans ce bureau, pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain. Et les condoléances, non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Lors d'une conférence de presse, le chef de la mission d'observation de la CENSAD au Niger a remercié son président actuel
Issoufou Mahamadou d'avoir créé un climat de sérénité et de confiance lors du second tour de l'élection présidentielle de ce dimanche. Le scrutin s'est déroulé, selon elle, dans des conditions satisfaisantes. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou, qui a rendu possible ce climat de sérénité et de confiance dans lequel s'est déroulé ce scrutin en ne briguant pas un troisième mandat. Merci au nom de la CENSAD et de l'ensemble des démocrates africains pour cette leçon magistrale que le Niger vient de donner à tout le continent africain. La mission d'observation a également exhorté tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux. Les résultats de 96 communes ont déjà été publiés par la CENI sur 266. Ils donnent pour l'instant le candidat d'opposition Maman Ousmane en avance d'une courte tête sur le favori Mohamed Bazoum avec 752 430 voix contre 690 027. Pour l'instant, ces résultats ne sont pas significatifs. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche. La CENI publie au compte-gouttes les chiffres sortis des urnes avant de proclamer les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle donnera ensuite les résultats définitifs, pas attendus avant plusieurs semaines. Issus en majorité des groupes armés MPC, UPC ou encore anti-Balaka, les 12 personnalités révoquées avaient été nommées à la suite de la signature des accords de Khartoum de février 2019 qui prévoyaient notamment l'inclusivité et la discrimination positive à tous les échelons. La constitution d'un gouvernement avec la participation de membres de groupes armés en Centrafrique avait été l'une des premières mesures pas toujours comprises ou acceptées par la population. Il s'agit de la deuxième vague de revocation depuis le 31 décembre. Le président Touadéra avait exclu de leurs fonctions officielles les principaux chefs de guerre tels qu'Ali Darras, Mahamat Al-Khatim ou encore Maxime Mokoum. Cette série de limogeages intervient alors que les autorités sont en pleine offensive armés sur le territoire, appuyés par leurs alliés russes et rwandais. Ils reprennent position dans de nombreuses localités du pays. Parmi les plus importantes prises de ces derniers jours, Bambari, bastion de l'UPC. Le premier ministre centrafricain a annoncé dimanche que l'armée centrafricaine est aux portes de Bossangoa, fief de l'ancien chef de l'État, François Bozizé. Selon les résultats provisoires du second tour de la présidentielle proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum l'a emporté avec près de 56% des voix face à son adversaire Maman Ousmane qui a récolté 44,25% des suffrages. Une victoire qualifiée de hold-up électoral par l'opposition. Le vainqueur, qui célèbre déjà sa victoire, tente tout de même de rassurer « Je serai le président de tous les Nigériens », a déclaré Mohamed Bazoum à ses partisans. Il a félicité son adversaire battu à qui il a tendu la main, mais pas de quoi rassurer les partisans de Maman Ousmane. L'opposition exige la suspension immédiate de la publication des résultats. Je demande à tous les Nigériens de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral, a déclaré à la presse le directeur de campagne de Maman Ousmane. Il s'exprimait à Niamey dans une ambiance surchauffée du siège d'un parti allié où des jeunes militants criaient « le changement ». Près du siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, où Mohamed Bazoum a pris la parole, des manifestants d'opposition ont été dispersés par des policiers présents en nombre et tirant du gaz lacrymogène. Armés de bâtons, ils ont mis le feu à des pneus et une épaisse fumée noire a longtemps été visible. Des manifestations ont également eu lieu à Zinder, la deuxième ville du pays. Le taux de participation au second tour de cette élection qui s'est tenue dimanche dernier a été de 62,91%. Par une température clémente, une quinzaine de personnalités en vue ont reçu leur première dose de vaccin dans les jardins du ministère de la Santé lors d'une cérémonie ponctuée d'applaudissements et retransmise en direct à la télévision. Puisant ses seringues dans une petite boîte frigorifique bleue, une infirmière a d'abord administré le vaccin au ministre de la Santé, Aboudla Diouf Sarr.
pour vaincre les réticences de certains. Selon le ministre, elle a ensuite fait de même avec la ministre de la Femme, Ndaysali Diop Tieng, l'ex-icône de la télévision El Hadj Mansour Mbaye ou encore l'infectiologue vedette Moussa Seydi. 10% de notre lot de 200 000 doses a été mis à la disposition de la Guinée-Bissau et de la Gambie en signe de solidarité, soit 10 000 doses pour chacun des deux pays voisins, a dévoilé le ministre de la Santé. « Je vais me vacciner immédiatement », a pour sa part affirmé mardi sur RFI le président Macky Sall, laissant toutefois entendre qu'il n'exigerait pas de passe droit. Le vaccin Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains, le Seychelles, le Zimbabwe, l'Égypte, la Guinée équatoriale, mais le Sénégal est le premier dans l'ouest du continent à lancer sa campagne qui vise en premier lieu les quelques 20 000 membres du personnel de santé et les personnes âgées. Le pays fait face depuis fin novembre à une montée des cas de Covid et a comptabilisé au total plus de 33 000 cas positifs et plus de 800 décès. 18 nouveaux morts ont été annoncés mardi, un record depuis le début de l'épidémie. Le Sénégal s'attend également à recevoir des doses par le biais de l'initiative COVAX, pilotée par l'OMS, et est en pourparler avec d'autres pays, dont la Russie, selon Macky Sall. Bon, c'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'il a tout simplement fait son travail. J'étais assis devant ma porte. Depuis 4h du matin, j'étais dehors, j'attendais, je savais que ça allait se passer. Ils sont venus de verton de Bia, ils ont cassé ma maison qui est à Kosei. Ils sont venus, ils ont cassé deux autres maisons de personnalité là-bas, je ne sais pas qui c'est. Ils sont venus vers 10h. Voilà, ils m'ont trouvé. Donc moi, je n'ai rien fait aux gens de Luma, là, je n'ai rien fait. Ils m'ont envoyé plus de 3000 messages de menaces de mort depuis un mois, depuis deux mois même. Ça ne peut pas aller, ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur ennemi, leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le referai comme ça.